100% électrique, jusqu'à 460 km d'autonomie. Je vais le réveiller. Et avec la carte qui a charge, accédez. Je dors là. Ça veut dire quand j'ai fini de manger là-bas, je dirais que j'ai fait ça. J'ai dormi, non. J'attends là, on m'appelle. Mon téléphone sonne. J'ai dit à quoi que j'ai apporté qui a Facebook. On m'envoie une vidéo où il y a eu quoi, où il y a eu quoi, où il y a eu quoi. Pente, je ne comprends plus rien. Je vous ai laissé dans votre paix entre vous. Je suis dans mon bungalow. Aujourd'hui, c'est vendredi. J'attends mes clients. J'ai déjà sorti les poissons, là, mes souris et tout ça. Je ne sais même pas quoi pour parler là. Vous ne pouvez pas éviter les gens comme moi. Je ne suis rien pour vous. Vous ne m'aimez, vous m'aimez pas. Vous croyez que les gens ne m'aiment pas. Moi, j'ai des gens qui m'aiment derrière. Moi, je peux vous dire. Ce n'est pas parce que je suis comme je suis. Moi, je suis une personne que moi, avec mes deux vues que j'ai, je suis contente de mes deux vues. Je ne suis pas la Chine populaire. La Chine populaire, je ne suis pas la Chine populaire. Je ne suis pas dans les gens qui disent que je te dépasse. Parce que les vues que vous attendez ici. Quand on dit que les gens ont eu des vues ici, je suis parmi les gens qui ont eu presque des millions de vues ici. Vous connaissez le nombre de Facebook que j'ai eu dans ma vie? Les divas de rouge, les machins, maman. C'est quoi? Vous pouvez pas laisser pour les pauvres d'alors quoi, hein? Vous croyez que si j'avais l'argent, là maintenant là, je vous demande pas mes. Je dis que hein, les pauvres fait des 16 combien, 3 000 euros, non? J'allais faire des 16 directement la vie. Mais je dois passer par les hôpitaux et tout et tout et tout pour alléger la facture parce que c'est ce que je veux payer. Je veux payer même si les sociales vont m'aider, la sécurité sociale va m'aider. Ce n'est pas pourtant que moi je fais les choses comme il faut. Au moins. Hein? Mon docteur est où? Mon docteur, c'est mon docteur Tassin. J'y sais Tassin. Allez, j'ai que sur Tassin, allez, regardez. Tapez sur vos Google, vous allez le voir. C'est un juge qui m'a opéré. Et si j'étais marrant hier, quand j'étais à l'hôpital hier, parce que je suis parti voir le docteur Livre là. Dès qu'elle a seulement vu. C'est comme ça qu'elle dit qu'urgence. Elle me donne un document pour dire que je pars directement aux urgences. Et moi, on m'a pris devant tout le monde. On croyait que c'était la mort. On a regardé. Mais ces sont-là, presque ça a duré. Mais il y a un côté qui est un peu bizarre, un côté. Mais ils disent que les sept sont toujours bons. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, je veux qu'on opère parce que ça a duré. Oui, parce que je n'ai pas de problème avec les sept. Tu vois, mais ça a duré. Vous croyez que si j'ai l'argent, vraiment là, hein? Je ne peux pas aller payer. Je donne mon rythme. Je dis que chaque mois, je donne la date. Tous les 10 du mois, on prend, ou bien tous les 2 ou les 3, on prend peut-être 300 euros dans mon compte. Ils vont prendre. Tout ça passe comme ça. Moi, je n'ai pas de chéquier. Je ne peux pas vous montrer mon chéquier de mon mari, mais ce n'est plus valable. Je vous crois que je vais mentir. Pourquoi? Donc, vous allez vous moquer de moi parce que je veux passer que par là. Au moins, les docteurs qui sont les bénévoles. Qui sont dans les hôpitaux, qui opèrent les seins là. C'est le social. Quand tu vas opérer tes seins dans les cliniques et tout ça, ça c'est autre chose. Mais quand tu opères tes seins dans les dispensaires, les hôpitaux et tout ça, ça veut dire que tu n'as pas les moyens. Oui, mais tu vas quand même payer, tu vas quand même débourser une petite somme, ça ne va pas atteindre 1000 euros. C'est tout. Moi, je n'ai pas l'hôpital, moi, c'est la facture arrive après. Et je paie si je ne paie pas. Ici, on te soigne. On voit la situation ici et après, maintenant, on te soigne. Vous allez vous moquer de moi pour ça. Moi, je préfère là, au moins là. Chaque fois qu'il y a un problème, je vais aller. Alors que moi, mon docteur, chaque fois que j'ai un problème, quand je l'appelle, est-ce que vous avez mal? Vous avez ceci? Je dis toujours non. Mais non. Parce que chaque fois que je veux partir, là, c'était 100 euros à l'époque. Rien que les simples, qu'on va regarder si tout, on va se mettre à porter si tout va bien. Sans c'est là, c'est 200 euros. Je ne veux pas 200 euros pour aller me faire. C'est tout. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème. Oui, j'ai regardé, ils ont regardé, je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de problème. Ce que je veux, c'est que ça change. Mais tout le monde, ils disent, vous avez des bourses, madame. J'ai dit non. J'ai une belle formation de scène. Ce ne sont pas eux. Vous allez voir, quand je veux, je fais ça, je fais. Donc, vous allez me moquer de moi parce que je veux faire mes scènes à la route. Je veux aller là-bas. Mais c'est OK. Vous allez voir, avec madame Degremont, vite fait me prendre en charge. Vous êtes en bas, là, on va prendre la charge. Oui. Imaginez que là, maintenant, je ne peux pas au Cameroun. Quelque chose m'arrive là-bas. Oui. Je sais. Je veux qui va me prendre la charge là-bas. C'est pour ça qu'à l'époque, au Cameroun, je parle toujours de, comment on appelle ça, de toute évacuation, là, on appelle ça comment,
et tout. Vous vous moquez de moi pourquoi? Et moi, j'ai pas l'argent. Vous voyez, c'est possible de moi être en vie. Il allait être comme ça. Moi, je peux le faire. Je peux faire mes 5 heures, je peux faire les choses seules, mais bon, je n'ai pas les moyens. Tu vois, quand tu n'as pas les moyens, tu vois que tu as les moyens aussi. Quand je viens, on ne peut pas dire que voici, on ne peut pas essayer. Aidez-moi, qui m'aide? Il y a les gens qui ont le cœur ici. Ce sont les gens que, même s'ils ne parlent pas avec moi aujourd'hui, même si c'est quoi, ce sont les gens que je veux respecter toute ma vie. Ce sont les gens que j'attends seulement qu'on les a attaqués ici à Facebook un jour. Maman, je tombe sur les gens. J'attends seulement la bagarre pour me connaître. Je prends les vrais pour moi parce que moi, je sais défendre les gens. Ne vous moquez pas de moi. Laissez-moi comme ça. Hein? Ici, il y a les hôpitaux, il y a tout. Tous les docteurs qui viennent, les docteurs qui viennent opérer dans les hôpitaux là, ce sont les grands docteurs. Que quand ils ont, ce n'est pas tous les jours qui viennent, quand ils ont le temps, même les gens qui m'ont fait ça, j'ai payé, j'ai déboursé 500 francs. Est-ce que j'ai payé? Je n'ai pas payé. Même pas. On m'a souvent demandé de payer, ou c'est 129 euros, j'ai payé les 129 euros. Et tout, c'est tout. Hein? Ça commence à coûter dans tout le temps. On a enlevé tout, même le col de virus, on a enlevé le col de virus, on a enlevé tout. On a enlevé tout. Oui. Parce que c'est le coup de virus, c'est pas que je suis amené les cancers. On m'a enlevé tout. Je me fais soigner, vous savez que ça ne va pas, je vais avoir l'hôpital. Parce qu'ici, on vit dans un pays que un système de santé que vraiment ici. Non. Vraiment ici, hein? Le pays ici, dans le haut monde. Hein? La France est comme la France est. Hein? Mais. Ici, là, on ne peut pas savoir que c'est comment on te parle d'abord. Oui. Quand j'ai eu le paludisme, ils ont dit que c'est le paludisme. Moi, je crois que c'est à l'ABC. Ici, ils m'ont soigné. J'ai payé. J'ai payé. Il a hier. Je suis allé voir le docteur. Là. J'ai payé combien? 26 euros. C'est quoi? Alors, je suis allé à l'hôpital. Il fallait d'abord que je passe par la dame. Là. Elle m'a dit que. Ah, ma tante, quoi? C'est elle qui a donné la lettre. Vite. Au moment où on va la lettre ici. C'est comment? C'est elle qui a donné la lettre. Elle a donné un courrier. Cher confrère, merci de recevoir ma demande de l'église Elisabeth, l'âge 48 ans, pour une prise en charge d'une rupture de prothèse. Mais la patiente n'a pas la possibilité de recevoir son chirurgien. Oui, parce que c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, depuis la patiente présente une amputation de son instrument accompagné de douleur au niveau des deux seins. Oui, les implants mammaires ont été posés en 2003. Est-ce que j'ai menti? Examen clinique, régulier, souffle, machin, et tout. Elle s'appelle Dr Naomi Bivard. Et c'est une Camerounaise. Oui, Naomi Bivard. Quand elle m'a dit, elle a d'abord seule. Oui. J'ai compris que ça doit être des gens qui me suivent souvent. Elle a fait ça vite fait. Oui, voilà, c'est ici. Vous voulez le voir? Voilà ça, je suis parti à l'hôpital. Voilà ça. Voilà. On a rien trouvé dessus. Là, maintenant, on m'a mis à. Je dois. Fiche d'urgence. Je dois partir à l'hôpital, quoi. Ambroise, Paris. Je dois aller voir docteur Tondu, Maxence, chirurgien plastique, à Ambroise, Paris. Voilà, on dit bandelette urinaire fait non applicable, examen abdominal non applicable, examen spéculum non applicable, touche vaginale non applicable et tout. Donc elle m'a fait tout, non, il y a beaucoup de choses. Voilà, elle a fait tout. Donc on a déjà donné tout. Motif, consultation, grossesse en cours, non, date de règle, tout est là. Donc, quand j'amène seulement la date que je prends le rendez-vous, on essaie d'avoir le rendez-vous comme c'est un vendredi ou si on n'a pas pu. Donc, ma fille et moi, c'est voilà ça. Hein? Vous avez payé les docteurs cherchent, alors que nous on est là. Les mêmes chirurgiens classiques qui se disent dans les. Qui ont les grandes. C'est les mêmes gens. Que quand ils ont le temps, peut-être une ou deux fois par semaine, c'est eux qui nous font ça gratuit. Quoi? Quand je vais aller payer, pourquoi? On se moque de moi que vous, dans les inbox, moquez-vous de moi, c'est votre problème. Allez payer chez vous, avec l'argent. Vous faites de la pute, moi je ne suis pas fait la pute. Tu as la pute à la carte, c'est quand on va te donner un coup de poing.
ou bien il va te serrer, il va t'appuyer sa force, ça va casser, il va vous trouver. Oh. Pardon, c'est autre chose. Laissez-moi la faire, je suis pauvre, femme. Je suis pauvre. Ce n'est pas grave. La vie, ma vie n'est pas construite, c'est vous qui voyez que c'est fini. Donc tu vas faire certaines choses. Alors que toi-même, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas bien dans ta peau. Hein? Il y a des hommes qui sont exigeants. Hein? Oui. Oui. Il touche, il reçoit, il séduit, l'autre séduit. L'amusement. Il peut te tabasser là-bas. Vous savez que les filles là-bas, non. J'ai dit que je fais d'abord que je fais mes seins. J'attends encore, je pars. Comme vous voulez tout mon pays là, je vais aller dans mon pays. On se moque de moi, on m'a envoyé les voix là. On se moque de moi. Vous vous moquez de qui? Et moi, je suis tué sur place. Hein. Moi, mon temps, ça ne va pas, je sais comment passer. Ça fait quoi? C'est vous qui allez payer. Moi, je dois mourir chaque fin du mois. Vous prenez 400 dans mon compte ou 500 ou 600. Et ils ne vont pas prendre l'argent. Je paye ma poitrine. Pourquoi les gens qui vont faire les poitrines, c'est parce qu'il faut quoi? Je donne de bonnes accords de 300 euros. Mm-hmm. Après, dans chaque fin du mois, ils prennent. Ils me révèlent mes hypothèses. Mm-hmm. Donc, la qualité est bien seulement. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu sais que bon, quand on te fait là, non. Oui. Ils doivent voir, parce qu'on te met au scanner, non, pour voir. On te met des trucs ici pour voir s'il y a les équimoses, si ça fait mal quelque part. Ça sent rouge, mais pour moi, non. Mais sauf que moi, je n'accepte pas si j'ai des seins, parce que c'est, j'ai fait ça en 2003, ça fait il y a 22 ans, 23 ans quand même que j'ai ces seins. Oui, et c'était à cause aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait deux fausses couches. Quand tu fais des fausses couches, les chiens, ça bête. Ça fait, si je ne faisais pas des fausses couches, parce que mes seins sont encore debout comme ça, parce que j'ai une formation, j'ai une belle poitrine. Oui, parce que eux, ils voient que c'est toujours joli, mais moi, je vois que non, je ne veux pas. Oui, donc voilà. Il fallait que l'autre s'affaisse parce qu'il y a un qui est toujours bien comme ça, mais il y a dur. L'autre, c'est un mou. Oui, tu vois un peu. Mais sauf que c'est mou, mais. Voilà. Si vous me voyez, je vous montre mes seins, c'est toujours pareil. Mais hein, pour eux, c'est que, déjà parce que j'ai une bonne formation de seins, c'est tout. Oui, eux, ils voient que c'est toujours joli, mais moi, ils disent que non, moi, les voir. Oui. Et depuis que j'ai ce problème-là, je me souffle beaucoup. Donc, je ne respire pas. Bon, vous savez très bien que j'ai eu un problème de respiration, mais là, je ne respire pas très bien. Moi, je respire uniquement quand ma bouche est ouverte. Je ne respire pas quand ma bouche comme normalement, comme tout le monde. Donc, voilà. Donc, ici, c'est comme ça. Quand c'est ici, c'est que quand ça y a. J'ai fait combien d'opérations pour enlever l'utérus ici, vous vous souvenez? C'est quand ça a l'ordre de venir comme le ballon que j'ai dit que c'est comme ça qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé combien de mon truc? Oui, à charge, oui. Donc, et puis là, ce sont des vacances. Donc, c'est des vacances. Donc, on doit me prendre en urgence. Donc, voilà. Oui. Donc, je vais voir. On va essayer d'appeler le docteur Ambroise. Non, on n'a pas pu parce que. En plus, c'est un vendredi. Mais comme notre job a dénoncé là, notre vieux lieu du zoo, apparemment, il est en France. Je vais encore le voir. Et notre zoo. Oui, non, j'ai appris. Enfin, les gens ont fait le cours ça dans leur inbox. On m'a envoyé un peu de petits parties. Mais j'ai dit, mais attends, vous pouvez. Je suis pauvre. Oui, ça ne fait rien. Je ne fais mes seins. Moi, je ne passe pas la Turquie, je ne passe pas la France. Parce que c'est comme ça. Je vais aller faire par où? Ici, là, tu prends ceux qui ont des chèques. Ok. Vite fait, bien fait. Moi, j'ai payé combien? J'ai payé quoi? Là où je suis, si j'ai payé, voilà. Voilà l'opération qui est là. J'ai payé quoi là? Je suis obligé de manger pour prendre ma coche de poids. Si vous voyez, vrai, ok. C'est Facebook qui me voit que vous êtes grosse comme ça. Ou mon téléphone, c'est comment, je ne sais pas. Si vous voyez, en vrai, quelqu'un, je ne sais pas ça. Moi, je dois manger pour essayer de prendre ma coche. Parce qu'il y a des vêtements, si je mets encore les vêtements des classistes, ça commence à dans sa poche sur moi. Voilà le problème aussi. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Donc voilà. Donc moi j'ai pas nécessité vos noms. Ne m'envoyez plus ces mots, ça ne sert à rien. Ne réveillez pas pour ça. Parce que si vous m'avez vu que j'avais une belle. Si vous voyez mes seins avant, quand j'étais belle. Maman. J'ai quand même une belle formation. Ma mère, que vous voyez mes liens là.
Elle a eu 9 enfants. Ses seins sont toujours debout. La femme que vous voyez là. Ses seins sont toujours debout. Ma mère, elle a les seins debout. Les seins de ma mère ne sont pas tombés jamais. Les seins de ma mère sont toujours debout. Oui. Alors qu'elle a allaité les enfants, oui. Mais oui. Donc, parler pour vous, moi, je parle ma part ici au Ghana. Moi, j'ai dormi. Vous savez, quand j'ai fini de manger, après, je dois m'endormir. J'ai la combien. Partagez mon Dieu, non, c'est quoi? On vous calme. Vous aimez comment parler des Japonais? Les Japonais vont arriver. Hein? Et là, vous pouvez vous bon. Notre amour, oui. Et là, vous pouvez vous bon week-end. C'est notre amour, oui. Elle a tout grandi. Elle est mince, comme les filles le font, comme sa mère. Donc, les gens que je peux vous mettre les voix là, en tant qu'on dit de moi. Quel homme je m'attache à vous de quoi? Ici, il y a ce malade. Et quand tu t'attaques, comme un dégrément, quand on attaque, je suis blanche. On m'a pour le soir, je suis dit, tu fais bien faire. Ils ont accepté, ils vont faire quoi? Oui, nous, maman, d'avant, était avec des bonnes morphologies. C'était des femmes bio. Oui. Hmm. Ah oui. C'est dommage. Et à quoi? Il dit, mais vous avez quand même, madame, vous avez une belle poitrine. Hein? Ça se voit pas. Il dit, il faut toucher. Regardez celui-ci. Et l'autre, c'est dur. Ah ouais. C'est quoi, madame? Oh, ma piscine. Ouais. Ça me voyait. Quand tu ne veux pas. Parce que quand comme je mets les trucs, tout c'est pareil. Que j'ai, moi, j'ai pensé qu'il y a dans l'autre coup. Moi, j'ai des jolis seins, mais. Bah, oui, mais bon, il y a un qui est un peu petit légèrement. À partir de la montagne, les seins, il y a un qui est petit, l'autre qui est. Mais ça dépend de la. Mes seins. Vraiment, j'aurais aimé. Oh, vraiment. Si Facebook existait quand j'étais petit, vous allez me voir. Belle femme. Jolie poitrine. Mais je veux rajouter quand même. C'est un dossier qu'on te fait. Un dossier. Que tu fais. Tu ne peux pas construire. Tu as changé. On change quoi? Non. Quand tu. Une femme qui paye a fait des seins dans les hôpitaux publics, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est les sociales. Si j'ai l'argent, quoi que j'aurai le temps d'attendre les seins, je vais aller faire. Là, et il y a beaucoup ici. Gabonaise, là, c'est à Facebook. Qui parle faire. Publics, mais ne parle pas et disent pour aux gens. Elles sont nombreuses à faire des scènes dans les trucs publics ici. Mais comme c'est leur tuyau, elles ne veulent pas dire. Mais moi, je ne passe pas les tuyaux. Moi, comme je connais, moi, je sais comment passer. Oui. Tu suis seulement les règles, comme on a dit. Tu là-bas, tu pars là-bas. J'étais dans le docteur, comment on appelle ça? Le docteur, qu'on appelle ça comment? Le docteur qui soigne tout le monde là. Après, je suis allé à l'hôpital. Maintenant, je m'avais voyagé chez Jean Percy. C'est maintenant lui maintenant qui va déterminer ce qui va se passer. Oui. Et quand une nation déjà sait qu'ils vont faire un dossier vraiment, et tout ça, on va voir. Si j'ai les moyens, ils vont me dire si vous avez un peu les moyens, on va faire, on va vous parler de 150 euros tous les mois, on va vous remplacer les prothèses, ou alors on enlève et on remet votre portefeuille comme c'était avant. Bah, c'est comme ça. Bah, oui. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez quand même payer quelque chose. Parce que c'est, il faut quand même payer comment on appelle ça, l'hypothèse. Ça coûte cher. Oui, c'est l'hypothèse, c'est tout. Il faut payer l'hypothèse. Eux, ils font ça gratuitement. Il faut payer l'hypothèse, il faut payer l'anesthésiste. Ça sort de votre poche vous-même. Oui. Et le reste, là, si ça coûte peut-être 2000 euros, 3000 euros, 3500 euros, ça dépend. C'est la sécurité sociale qui paye. Vous croyez que les docteurs, là, tous les grands chirurgiens qui sont dans les hôpitaux publics, là, ils ont leur cabinet. Oui, ils viennent seulement là pour aider les pauvres. C'est tout. Vous allez faire que vous êtes pauvres, vous voulez toujours montrer que quoi. Si quoi que si j'ai l'argent maintenant, j'allais passer par les hôpitaux, j'allais passer directement là. Je m'en vais les voir chez Ronald, on fait des scènes à faire. La plupart des Camerounais, tout le monde les gosses sur Facebook. C'est dans les hôpitaux, mais comment elles ferment leur gueule? Elles ont de l'argent, elles ont quoi? C'est pas filiale. Filiale, on passe par filiale. Et puis les 5 000 ou 4 000 euros. Et ça, c'est les 2 500 3 000 euros maintenant. À mon épouse, c'est 5 500 euros. Ça, 5 500 euros que j'avais fait en 2003. Quand les filles rêvaient après d'avoir les poitrines. En tout cas, j'ai tout vu avant vous. Non.
Mais oui. Mon docteur, je me suis opéré à la clinique Spontini. Au 16e, mon docteur, c'est docteur Tassin. J'ai dit, c'est Tassin. Ben oui, la clinique Spontini. J'étais dans la chambre émeraude. J'étais dans ma chambre tout seul. Dans la luxure. Est-ce que je mens? Moi, je parle de ma part. La personne qui ne veut pas entendre, attention, c'est votre problème là-bas. Si je ne veux pas dans le social, c'est parce que je veux que vous me suivez dans le social. Parce qu'on est devenu pareil maintenant. Allons dans le social. On est là-bas. Oui. Il y a des filles qui partent faire ça. Ils payent les 3 000 euros pour qu'on arrive les terroristes. Moi, je n'ai même pas de. J'ai payé quand même le truc contre le frigibiche là, le truc là que j'ai appuyé là sur le petit piqûre là, la combinaison de ça, c'est tout que j'ai payé, c'est ça combien d'euros là-bas, c'est tout. Alors, on est venu ici pour moi, en tout cas, moi je vous dis, c'est bon, moi je dis avec vous pas à pas, j'ai dit mes soeurs, ça ne va pas aller dans les hôpitaux publics. Enlevez vos utérus. Vous serez à l'aise. Là, je peux m'aiguiller comme je veux. Je peux faire comme je veux. Je n'ai plus de moi. Je n'ai plus le ventre qui coule. Je n'ai plus rien. Je suis à l'aise. Mais pour faire quand même l'amour, il faut attendre un peu longtemps. Parce que le bas va être encore très fragile. Non, ça dépend comment tu peux dormir. Tu peux dormir. Ah! Maman, tu peux dormir, là, bien sûr. Tu dors comme ça, tu peux dormir comme ça. Quand tu sais que tu as des implants, maman, tu dors comme ça. Tu fais le truc comme ça. Tu dors pour avoir un peu d'espace pour les seins. Ça dépend pour les autres. Hein. Pour les autres, ça dépend. Parce que moi, je ne peux pas faire. Ça dépend. Chaque personne fait ses seins. Chaque personne dort comme il veut chez eux. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'oreillers. Tu peux mettre beaucoup d'oreillers. Et puis, tu dors comme ça. Et puis, les seins sont en bas. Vous voyez un peu, il y a l'espace pour les seins. Oui, tu peux dormir. Est-ce que moi je vais souffrir encore? Est-ce que tu crois que c'est facile? Oui. Il va encore souffrir. Le tramadol va encore me sauver encore comme d'habitude. Pourquoi? Oui. Toutes les opérations font mal. On ne demande pas. Ça fait mal. Oui. Vous croyez que quand je suis allé à la soirée, donc, comme la maman, parce que ma mère tellement drogué là-bas, quand elle est drogué, j'étais sur la drogue. Moi, mais je me demande, c'est après quand ça m'a peint. Merde, c'était grave ici. J'ai fini tout le tramadol ici, j'avais tout mal. Après, ça c'est oui. Même ça, quand on te fait ça, j'achète le bas de contention, j'achète le soutien de contention aussi. Et tout. Parce qu'il faut que tu te lèves, tu es comme un robot. Il faut attendre 2-3 semaines avant de pouvoir essayer, sinon, parce que c'est ce que je vais encore souffrir. Tout ça, ça fait très mal, oui. Mais voilà, allez faire vos sexes. Nous sommes dans un pays qui, ici, les gens qui sont malades, ici, qui n'ont pas le temps, là, on soigne tout le monde ici, après tu réalises ça avec eux. Ils ne sont pas chers. On t'envoie une facture de combien? 23 euros. Dans ce monde, si je peux faire sa catégorie, les noirs, c'est pour la musique. Les R&B. Les arabes, c'est pour les mathématiques. Les juifs, c'est pour les implants, ma mère. Parce que c'est pour la chirurgie. Parce que les juifs sont dans la chirurgie. Les Français, c'est pour escroquer le monde, c'est pour parler la politique, c'est tout. Et faire de l'humanitisme. Les Français, est-ce que les Français ont les matières premières? Dites-moi, les Français ont les matières premières. Mais c'est un pays qui est prospère, avec l'escroquerie, c'est tout. Moi, je pense que je vois, c'est tout. Et c'est un pays français, c'est un pays de politique, c'est tout. Tous les grands docteurs qui sont en France sont les juifs. Tous les grands docteurs dans tous les niveaux, vous savez pas ça, c'est juif. Les grands mathématiciens, ce sont
Il y a les Allemands, il y a les Kassa. Oui, en Allemagne, là-bas, ils ont tous les ingénieurs du monde, hein, là-bas, chez eux. Hein. Enfin, bref, on n'a pas vraiment comme ça. On dit seulement que moquez-vous de moi, ce n'est pas grave, c'est comme je suis, je n'ai pas les moyens. On m'a envoyé des masters que les gens ont. Ils ont parlé dans le WhatsApp pour se moquer de moi. Oh. Les gens sont là, tous dans les pays, les 25. Elle n'est pas supplie. Je supplie. Je ne supplie pas la France, je suis française. Mon mari est français. Mon mari est français. Je suis dans mon mariage ici. Je ne suis pas ici pour rien. On va vous rapatrier chez vous. Moi, je vais rester ici. Mon mari, les cendres de mon mari sont ici, au cimetière de Suresnes. Quand mon mari est mort, la mairie a envoyé les gerbes de fleurs et tout ça. Et c'est ici, on me connaît parce que je suis une veuve française. Étant camerounaise, ça ne dérange pas. Si je suis jeune, si je demande de me donner à manger, est-ce que c'est ça? Bon, laissez-moi dans ma misère alors. Je demande à faire ce que tout le monde demande aussi, c'est tout. C'est quoi? Je vous demande quelque chose. Hein? Vous vous moquez de moi. Oh, maman, à ce niveau-là. Oui, oui, c'est mon niveau là-bas. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. Quand je veux mettre pour voir sur Facebook, la vraie dit la voix, non, c'était pas moi. Bah, que je reconnais toutes les voix. J'ai reçu les pénis de la peña. J'ai reçu les pénis d'un autre grand féminin. On m'a envoyé tous les pénis, j'ai tout ceci. J'ai parlé de ce sont les amis que je connais. Hein? Ce sont les amis que je bois avec eux. Les amis qui sont venus chez moi, on avait des soirées ensemble à l'époque. Hein? Vous m'envoyez le pénis. Hein? Vous vous déshabillez, vous-même, les grands femmes, vous vous déshabillez, vous faites vous vous parlez devant les femmes. Et les femmes, là, vous enregistrent. Quand ça ne va pas m'envoyer, vous voulez qu'elles fassent quoi? Je vais citer mes ballons, non? De la première, excuse-moi, parce que vraiment, j'ai vu ta parole. Moi, j'aime la France, malgré qu'ils sont comme ils sont. Mais, question santé en France, ici, c'est quelque chose. Question santé, c'est quelque chose ici en France. On te soigne pas. On te soigne. Et à quoi? C'est quoi? Donc, je dois faire que si ça ne va pas, je dois pas supplier. Je dois encore supplier que aidez-moi pour les implants à ma mère. Vous allez m'aider. Hein? J'ai mis mon PayPal ici qui m'a aidé dans le PayPal. Il y a une qui m'a envoyé 100 euros, ma fille m'a envoyé 50 euros. Et l'autre était venu manger ici, j'ai eu 200 euros. Avec tout le babardage qui est pris ici, qui m'a envoyé quoi? Hein? Vous croyez que quand ça ne va pas, il y a les autres, ils existent. Hein? Moi, on ne m'aide pas. Mais moi, je le dis. Mais il y a les gens qui sont là pour moi, qui m'aident vraiment, qui se déplacent, parce que non, là, moi, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Oui. En dehors de. Que je on doit se me donner comme les autres là. Et les autres soient les consuls de maison de l'État. Et les gens qui font tout ici dans l'État. On ne m'aide pas parce que je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas. Laissez, je suis pauvre. J'arrête de fumer et de boire. Si j'arrête de fumer et de boire, ça va changer quoi? Je n'ai pas dit que hier j'étais à l'hôpital, que je n'ai rien. Moi, je croyais j'avais le cancer. Je n'ai rien. Mon cœur bat bien. J'ai l'arrêt de boire. Dans la vie, faites ce que vous voulez faire de votre vie. Ceux qui construisent, construisez vos maisons. Ceux qui aiment la grande vie, mangez votre vie. La vie, c'est une place. La vie, c'est. Il faut vivre, écouter de la bonne musique. Soyez heureux, soyez joyeux. Que tout le monde soit dans les mêmes problèmes. Presque les mêmes problèmes de famille. On a les cousins qui ne nous aiment pas. Il y a les frères même qui ne nous aiment pas. Il y a les mamans même qui ne nous aiment pas. Il y a beaucoup de choses dans nos familles. Tous, on est confrontés à la même gangrène. C'est à nous de mettre des barrières. Oui. Moi, je n'ai jamais mis des barrières avec ma famille. Moi, je suis pauvre. On me dit maintenant à ma famille où je commande dans les réseaux sociaux, que je peux dans les réseaux sociaux. Tout ça, on vient me dire. Et je reste moi tranquille. Moi, je suis très radical. Vous connaissez. Moi, je vais être tranquille. Oui. Donc, voilà. Il y avait une cousine qui a dit comme quoi. Oh, que machin. On m'a dit, c'est ce matin. J'ai dit que, comme j'ai dit dans ma famille, que moi, ma famille, à moi, écoutez de ma mère, je ne mettrai jamais dans les réseaux sociaux.
Même là, quelle photo je ne like même pas. Même fait quoi, je ne fais rien. Il se moque de moi aujourd'hui. C'est moi qui ai tout fait. Ce n'est pas grave. La vie, c'est comme ça. Le billet d'avion, c'est quoi? J'ai un billet, est-ce que j'ai... Comme je ne vais pas voyager, ça a tout duré, j'ai même perdu l'argent de ça. Quand je pars, quand moi, je voyage pour aller au pays, mais voilà, je ne veux même pas. Si je paye mon billet d'avion, je veux voir mon assistance, c'est-à-dire que j'ai payé le billet. Comme vous savez, ça dit que non, c'est une copine qui m'a perdu l'argent. Il faut me rembourser. Quand je rentre, si j'ai payé bien à 500, parce que pour moi, c'est juste ça, autour de 800 euros, on ne me rembourse que la moitié. Je dis que oui, on me rembourse toujours. Parce que moi, je n'ai pas les moyens. Moi, je prends tout ce qui est dans le social. Ah oui, oui, oui. Pourquoi pas? Vous êtes dans un pays où il faut faire les choses comme il faut. La bourgeoise, maman, tu es méchante. Comment tu vas enlever ton utérus, hein, dans ton avis, dans ta prochaine vie? Est-ce que tu vas accoucher? J'ai demandé alors que les gens qui n'accouchent pas depuis des années, qui n'ont pas accouché parce qu'ils ont enlevé leur utérus à l'époque là. Les Camerounais sont limités. Donc tu vas faire que tu ne te sens pas bien avec quelque chose qui te dérange. Et tu vas garder ça parce que. Parce que quoi? Hein? Je vous pose une question. Hein? Donc tu vois que tu as le cancer qui te ronge. Si tu continues à garder ça, si ça allait me développer parce que il y a les fibromes. Et les enfants, c'est les myomes. Après, les myomes, c'est quoi? C'est le cancer. C'est le cancer. Le cancer de l'utérus. Donc, tu vas garder quelque chose qui va te donner là, qui va te précipiter à la mort après. Pourquoi? Ceux qui n'accouchent pas là, elles sont nombreuses là, parce qu'ils n'ont pas accouché là. C'est parce que dans leur vie, on ne les a pas enlevé l'utérus. Hein? Ah bon? C'est vous. Quand tu écoutes souvent les courriers, leurs commentaires, là, comme on dirait les villageoises, je ne sais même pas. Hein. Une jour, je me souviens à l'époque, j'étais à Bonanjo, à la LGBC de Bonanjo, c'était général à Bonanjo. Donc, on était, enfin, le fondé de pouvoir, c'est pas un seul, on est nombreux. Donc, on était au couloir, voilà une dame qui entre. Elle va voir les femmes de pouvoir. Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à prendre l'argent. C'est le jour que j'avais vu de Manu. Quand Manu avait expliqué dans la 200 euros là. J'avais vu à mon ange. J'ai eu jusqu'à. La dame dit. Elle nous trouve assis. Hein? Nous, on attend que la personne entre, l'autre sort. Elle était tellement pressée. Elle me dit. Ouais, mes soeurs, pardon. Je veux te poser une question au fondé de pouvoir. Est-ce que. On lui dit que. Pardon, comme je ne pressais pas. Elle entre maintenant. Et écoute, alors, je connais les Camerounais, vraiment. Le type de la nuit a dit que. J'ai dit, hey, madame, qui vous a offert le compte ici? Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais vous avez vu? Vous avez fait tellement de rejets que vous n'avez plus rien dans votre compte. Et vous voulez ce que j'ai vu. Dans la vie, il faut faire très attention. Très attention. Je ne sais pas là où je parle, mais pour revenir au même point, c'est que. Ne vous moquez pas des gens. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. La plupart des filles ici, là, elles partent au lieu d'aller ici dans les grands hôpitaux ici. On est que, moi, voici couché ici. Je suis dans quel hôpital, ou bien dans la clinique. On est jamais. Tu les vois seulement avec les gosses. D'autres, on les fait les seuls jusqu'à présent, on arrive jusqu'ici. C'est là qu'on fait au niveau d'ici. C'est quoi ça? Il faut faire quelque chose quand ça ne va pas, tu fais. Hein? Combien d'entre vous faites venir vos parents ici pour bénéficier du système français? Que vos parents de bénéficier du système français. Voilà que quand avait sa mère ici aujourd'hui. Hein? Maman, Anna Kaye a eu ses papiers aujourd'hui, et elle est suivie et tout ça. Est-ce que quand vous déboursez 1 euro sur ça, elle ne débourse pas? Parce que c'est le système français. C'est comme ça. Ici au moins, ça va. Aux États-Unis, okay. Les gens meurent tous les jours là-bas parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas de carte vitale, ils n'ont rien. Il faut payer là-bas, on paye. Alors que si c'est gratuit. En Allemagne, c'est pareil. En Suisse, c'est pareil. Oui. La France, c'est mauvais. Mais la France, moi, je dis la France, c'est bien.
ici. Mais moi, je préfère bénéficier d'un travail. Ma sécurité sociale bénéficie de deux personnes pour se faire opérer à mon nom. Oui. Les autres hôpitaux, pas les mêmes hôpitaux que je suis parti faire. C'est tout. Toujours être pressé. Toujours être pressé. Faire des choses que vous ne vous comprenez même plus. C'est quoi? Je me suis opéré là. J'ai dépensé combien? Ou c'est 109 euros que j'avais payé? C'est tout. Alors que vous déboussez dans les gens pour faire dans les cliniques. Vous dites que je me suis opéré à la clinique. À combien? Alors que là, c'est au moins deux coups. Il faut seulement savoir. C'est tout. Mourez-vous de moi. Ce n'est pas grave. Mourez-vous de moi. De moi. Je veux bénéficier du système français. Ils savent où me trouver. Ici. Ils savent où me trouver. C'est tout. C'est un problème. Ils connaissent mes rotations de compte bancaire. Ils connaissent tout. C'est pour ça que moi, je ne peux pas m'amuser à mettre quoi que ce soit dans le compte là. Donc, vous me réveillez. La veuve, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute. Vous me dites moi pourquoi? Tu gagnes une même, hein? Madame, elle n'a plus d'argent. Mais je n'ai plus d'argent. Même quand j'étais avec vous. Vous étiez mes amis, on mangeait ensemble. Quand moi j'avais quand même, j'ai toujours aidé les gens. Hein? Vous savez combien de personnes sont venues habiter ici? Combien de personnes j'ai aidé ici? J'ai aidé qui? Vous qui avez vos avenirs incertains, qui va me chasser ici? Ne me chasser, je suis ici chez moi. Je vous dis que faites comme moi, hein, mes warros. Allez, si vous avez des problèmes de sang, oui, allez-y. Allez voir les docteurs et tout ça. On va vous faire. On a urgence seulement. On va prendre. Et puis on va voir. On dit, madame de Guimond, bon. Vous tu vois le docteur et puis il va se dire ce qui va se passer. Bon, et il y a beaucoup de solutions. Soit c'est immédiat, on t'enlève et puis on te laisse ta poitrine comme c'était avant. Parce que le gland reste toujours le gland. Notre gland là. De nos actions, c'est la sorte là. Oui. Soit. On te propose une alternative, c'est-à-dire qu'on va te faire ta poitrine, bien sûr, mais tu vas débourser peut-être une petite somme. Oui, et tu acceptes, et puis bon, tu donnes ton RIB, tu leur dis que chaque fin du mois, tu as telle date, ils vont prendre l'argent. Soit tu t'arranges avec eux, soit c'est en espèce, que tu peux aller voir l'espèce, tu leur donnes en espèce ce business, soit c'est ils prennent chaque fin du mois dans ton compte. C'est tout. Et c'est tout. Et tu as le jouer ça. C'est tout. C'est quoi? Les hôpitaux. Et les hôpitaux sociaux et les trucs privés. Est-ce que c'est pareil? En privé. Il y a d'autres qui partent en privé. Ils sont. Chaque fin du mois. Tu attends. On les coupe 1000 euros. Ça dépend comment vous arrangez avec votre comment on appelle ça? Chirurgien, soit c'est le chèque. Mais c'est des états qui devraient être le chèque. Hein. Parce qu'il y a des chèques en bois. Il peut faire des rires parce qu'il entre directement dans ton compte, que tu veux ou pas. Oui. Oui, bonjour. Oui, ça va, oui. Bon, écoute, hein, je ne veux pas parler de ça parce que hier. Tu passes ça ou pas? Je n'ai pas besoin de parler de ça. Je n'ai pas besoin de parler sur le téléphone. Je n'ai pas besoin. Écoute, elle va chez toi. Voilà. MP Silva. Je ne parle pas comme un chien de quoi. Relation du BG, relation du chien, relation du BG, non. Voilà. Donc, je me suis levé là. Voilà. Pour dire que mes soeurs,
N'ayez pas peur. Non, attendez, non. J'éteins d'abord mon téléphone si je n'ai pas besoin que vous battez sur ma dérange. Parce que là, je sens que mes mains vont se déranger. Dès que tu es en train de vouloir me déranger. Depuis hier que j'ai dit que je suis autour, il n'a même pas. Donc, il n'a même pas agi. Maintenant, il me parle que oui, oui, oui. Et hey, Joe Biden est en France. Il faut que je vois Joe Biden. Notre Joe Biden de tous les temps. Mais bon, notre vieux loup du zoo. Donc voilà, hein, donc, je vous dis souvent que ceux qui se moquent de moi là, ah, moquez-vous de moi. Bientôt, vous allez me voler ma poitrine. Oui, bien sûr, bientôt, vous allez me voler ma belle poitrine. Oui, je vais payer. C'est quoi? Moi, je, si je passe encore chez. Rien que mon docteur, rien que pour seulement les visites, mais voilà, 250 euros. À l'époque, j'avais fait ma poitrine, c'est en 2003. À l'époque, c'était combien? 100 euros. La visite, chaque fois, chaque fois. Après, tu es trois mois, tu peux partir sans. Il faut que tu payes, ce n'est pas gratuit. Hein. Maintenant, là, je peux l'appeler. Je peux l'appeler. Que ça ne va pas et tout. Est-ce qu'il va me demander encore? Il peut me faire ma poitrine, mais il va me demander de payer. Oui. Il me dit, ouais, vous savez, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles ceci. Oui. Parce que si j'appelle mon chirurgien, là, ça veut dire que j'ai de l'argent. Vrai ou faux? Ça veut dire que j'ai de l'argent. C'est même pour regarder un poste qui ne va pas et tout. Après, le Seigneur va m'envoyer encore chez pour aller faire des radios. Je dois encore payer là-bas. On est d'accord? Ça sert à quoi? Alors qu'il y a les gens là, les docteurs là, les plasticiens. Les plasticiens qui sont dans les sociales, dans les hôpitaux là, c'est presque même gratuit. Hein? Il y a des gens qui, à l'époque, les filles ont filmé ma combien à 1 000 euros, 2 500 euros, 1 000 euros. Et ce n'est pas que. On te fait la poitrine, tu te laisses soit l'échec, soit ton rib. Chaque fin du mois, tu lui donnes la date. Chaque fin du mois, tu sais que comme. Chaque fin du mois, tu sais que le 2, il n'a pas l'argent. Donc le 2, là, tu prends l'argent, tu laisses dans ton compte. Il prend l'argent. C'est comme ça. Ici, on te soigne d'abord. Et après, maintenant, l'argent arrive à peu près. Et combien, mais, vu que le social est là pour ça. Moi, ma fille l'a vite fait hier. Parce que quoi que c'était alors que non. Oui. C'est elle-même qui m'a demandé un bois Paris, c'est ici à comment on appelle, à Boulogne, là. Au Boulogne, ici à côté. Comment elle a qui est en train de m'insulter. Oui. Donc, je veux mettre voix quand j'aurai le temps. D'attendre les voix des Camerounais, des réseaux sociaux qui se moquent de moi. Dans WhatsApp, on m'a envoyé tout ceci. Qui se moque de moi? Arrête de boire, arrête de fumer. Dans la vie, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Il y a des gens ainsi que qui ne fument pas, qui ne boivent pas. Ils ont toutes les maladies du monde. Schizophrénie. C'est eux qui ont le sida. Ils ont le sida. Ils ont les gonococcies, les cancers. Ils ont tout. Alors que toi qui fais tout ce qui est mauvais, tu n'attrapes pas les maladies. C'est pour ça qu'il faut s'amuser, mais avec précaution quand même. Je ne vous demande pas d'être comme moi. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Nous, dans la semaine française, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Pourquoi? Je suis quand même, je suis une veuve de française. Je suis madame d'Aigremont. Donc, quand tu es française, c'est là que tu bénéficies de tout. J'ai les mêmes droits que les Français. Oui. Bien sûr. Je peux travailler où je veux. Mais comme je n'ai pas été trop longtemps à l'école, donc je peux travailler comme technicien de surface ou bien la restauration rapide et tout, c'est tout. Il faut vous dire la vérité. Donc, parce qu'on est Français, qu'on bénéficie. Moi, j'ai eu les droits que les Français ne m'ont pas. Je suis française. Mais oui. C'est quoi? Si vous parlez de. Moi, j'ai beaucoup de choses que vous n'avez que les Français n'ont pas. Quoi, pardon? Non, c'est quand tu es français. T'as un Bosco. C'est quand tu es française que tu bénéficies pour moi. Il y a cas par cas. Ici, madame d'Aigremont. En tant que je me suis marié au Cameroun, mes enfants sont françaises depuis le Cameroun. Donc, ici, je n'ai jamais rien fait ici.
au Cameroun, je suis marié. Mes enfants sont français depuis le Cameroun. Non, sont du Cameroun pour arriver ici, en français. Pourquoi? Je peux être français si je veux, mais je ne peux pas pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire, si je suis français, je perds beaucoup de choses. Je vais payer beaucoup de choses. Quand vous êtes français, vous avez quoi? Allez voter, vous, madame. Allez voter. J'ai jamais vu français, les Français, les gens qui mettent leur passeport français, si jamais vu là où ils s'alignent pour aller voter leur candidat. Hein. Mais vous parlez que pour le Cameroun, les Camerounais avec leurs histoires. Quoi? Moi, je fais ma vie, Maros. Comme je veux. Oui, comme je veux. C'est tout. Voilà. Hier, on devait faire la lecture. Mais vous savez très bien que hier, avec ce qui s'est passé hier, où donc, attention, si tu as la nationalité française, tu pourras bénéficier de l'aide médicale. Ah ouais? Donc, si je suis français, je pourrais. Et je bénéficie alors pourquoi maintenant? Étant non française. Bah, tu dis quoi là? Je suis madame de Grimaud. Donc, je bénéficie de tout, ma chérie. Donc, vous voyez, voilà les choses que voilà les gens comme ça. Ah, c'est ce que ce genre. Hein. Mais voilà, ouais, si vous êtes Camerounais, et que vous êtes marié à un Français, et que vous avez encore votre nationalité camerounaise, étant marié, vous bénéficiez de toutes les aides ici en France. Vous bénéficiez de tout. Imagine alors que moi qui suis veuve, avec des enfants français, tu vois pas de quoi là? Je bénéficie plus que ça. Ah ouais. Je dis que vous bénéficiez de tout. Ah ouais. Regarde, si tu as la nationalité française, tu pourras bénéficier de l'aide publique française. Ah bon? Moi, je bénéficie de l'aide publique depuis des années. Et j'ai bénéficié aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Ah, vraiment, vous les campiens. C'est pour ça que vous en avez. Vous avez enlevé vos frères là-bas. Pour que vos frères deviennent vos esclaves et restent dans les maisons. Que quoi? Moi, j'ai bénéficié de tout. De tout. J'ai dit bien de tout ici en France. Ah, vraiment. T'as rien parlé, on va te reposer. Qui t'a dit ça? Je suis marié en français. Je suis une surinoise. Mon mari est ici au cimetière. On connaît que je suis ici. Une femme qui avait mettre quelqu'un de Wesh, j'appelle ce qu'on a fait les Français. Même en hiver où on était, on te fout dehors. Depuis des années que j'ai fait ça. Que quoi? J'ai bénéficié de tout. Il n'y a qu'à pas quoi. Je suis veuve française. Je ne suis pas un veuve camerounais. Tu entends? Il n'y a qu'à pas quoi. Oui. Je suis là. Ah non? Toutes les femmes qui sont mariées aux Français, qui sont veuves comme moi, bénéficient de beaucoup de choses. Sauf celles qui ont hérité ou bien qui ont un égo surdimensionné, qui ont une vie assez. Qui ont de l'argent. Moi, je n'ai rien hérité, je n'ai rien. Oui, peut-être que je vais hériter un jour, j'attends toujours que la lettre arrive. Et j'ai, en attendant, je vis, ça que je suis là. Et il y a les gens qui sont avec moi. Oui. Attends. Quand tu dis que je ne suis pas français, je suis une simple veuve. Donc il y a les veuves qui ne sont pas simples. Non. Attends, Lopez. Elle n'est pas française, elle est une simple veuve. Marie est française. Elle n'est pas. Attends, j'aime bien. Elle n'est pas française, c'est une simple veuve. Marie est française. Donc, le mot simple là m'interpelle un peu parce que je veux savoir quand tu dis simple veuve. Donc, il y a les veuves qui ne sont pas simples. Parce que je veux comprendre un peu. Aidez-moi un peu. Une simple veuve mariée en français. Sandra, donc il faudrait aller bosser. Attends, l'héritage n'est pas un boulot.
Audrey, quoi, ouais. Donc, attendez. Donc, il faut que j'aille bosser. Il faut aller bosser. Attendez, l'héritage n'est pas un boulot. Ah, bah, attends. Bah, attendez, l'héritage, c'est un grand travail. Parce qu'il faut passer sa recherche chez le notaire. Il faut passer sa recherche au tribunal. Et il y a beaucoup de choses. Non, 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 ça, je suis avec toi. D'autres qui viennent dire là que. Il faut aller bosser. Tu m'as donné quelque chose ici un jour. Avant Facebook, on vivait comment? Hein? Avant que Facebook n'arrive, j'étais qui? Hein? Il faut aller bosser. Je te demande quelque chose. Voilà. Regarde. Sandra, regarde. Hein? Je ne te bloque pas. N'est-ce pas? Ma page, c'est monétisée. Je n'ai pas dit qu'il y a une étoile en haut. Mais quelque chose quand même. Au moins, même. Même 100, même 1 euro, c'est 100 toi, 2 euros, c'est 200 toi, même 1 euro, c'est même 10 centimes, comme ça, au moins. Quand vos gens là disent que vous, mais vous avez, quand même, vous avez compris. Vous n'avez pas remarqué que ma page s'est monétisée par Facebook. Pourquoi c'est mon quotidien? C'est vous qui me donnez à boire, ma. Je touche le RSA. Moi, j'ai quand même la paix avec ma maison. Je vais te bloquer. C'est même quoi, vous voyez. Mais tu dis ça pour tout le monde, la kéki. Pour aller bosser, j'attends mon héritage. L'année prochaine, j'ai 50 ans. À 52, j'ai touché une chose. J'ai quand même une petite qui est arrivée tous les 3 mois que j'ai vu que j'ai pas avec mes enfants. C'est quoi votre problème? J'ai ma maison là-bas, donc on appelle la maison là, à Levallois-Perret. 80 rue Mario-Sophan. Je viens avec une petite là-bas, j'ai pas avec mes enfants. C'est quoi? Vous venez toujours mettre les gens dans les faits accomplis. Vous voulez savoir quoi dans la vie des gens? Vous êtes parti vous moquer de moi dans le WhatsApp, que j'ai pleuré, que je veux faire les seins, que l'État français doit m'aider pour les seins. Je n'ai pas pleuré, je suis parti, j'ai pris rendez-vous chez un docteur libre. C'est un médecin généraliste. C'est là que Madame Bivard a vu que nous, mieux vaut aller aux urgences. C'est comme ça qu'elle m'a pas aux urgences, à Foch. J'ai pas aux urgences, à Foch. C'est comme ça qu'on m'a demandé. On m'a fait tous les examens. On m'a envoyé chez notre docteur, le plasticien. Plasticien, ma mère, Amboise, Paris. Amboise, Paris, Paris. Le docteur Tondu, Maximilien, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. J'ai même montré. Mais tout, il y a quoi? Vous vous moquez de moi, pourquoi? L'autre, il faut être française pour bénéficier. Mais je suis une veuve française. Je suis quand même madame d'Aigrimont. C'est tout. Dans les lettres, c'est écrit d'agrément. Ce n'est pas du nom exprès, Elisabeth. C'est d'agrément. C'est tout. Je suis une veuve française. Et les Français doivent s'occuper de moi. C'est comme ça. C'est 4 500 euros. À l'hôpital. Oui, moi, on n'est pas dans le même. Peut-être que vous parlez des cliniques privées, hein? des plasticiens, ma mère. Hein? Moi, je parle du social. Moi, je parle du social. Moi, je parle des docteurs qui servent dans les hôpitaux sociaux. C'est-à-dire qui veulent des hôpitaux publics. C'est ce que moi, je parle. Là-bas, c'est moins cher. Ça dépend. Il n'y a qu'à pas qu'à là-bas. Toi, tu parles là-bas, tu vas payer parce qu'avec vos aides, moi, ils vont d'abord me voir. Moi, mon plan, j'allais vite fait. Tu viens dire 4 500 euros de quoi, c'est dans les hôpitaux publics là. Maman, les terrains de ça. Je dis que tu nous as trouvés ici. Parce que là, toi, tu parles déjà des cliniques privées. Nous, on parle, moi, je parle
des hôpitaux publics. Voilà. C'est tout. Parce que si moi j'avais 4500 euros, tu peux te faire encore si. Elle a fait ça vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je parle. Je m'en vais voir les docteurs des hôpitaux. Et parce que là-bas, ce sont les docteurs qui font du bénévolat. Oui, qui veulent. Il y a peut-être une ou deux fois par semaine, qui viennent, ils opèrent toute la journée, peut-être 4 ou 5 cas. C'est tout. Et c'est moins cher. Oui, et la plupart du temps, c'est les sociaux qui payent. Oui. Ah bon, hein? Il y a des pour la santé, hein? Ah bon? Franchement. J'ai dit, écoute-moi très bien. Audrey Kawai, vous avez une imbue de votre personnalité que vous ne connaissez pas. Tu as fait l'opération. On te connaît dans les réseaux sociaux. Tu viens parler de quoi là? N'importe quoi. Les mêmes docteurs qui opèrent dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, c'est les mêmes docteurs que Tartan. Ils viennent opérer dans les cliniques, dans les hôpitaux publics. Parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de cas. Il y a les cas là-bas que les filles, où elles se bagarrent, elles se cassent les nez qu'on a refait, là, on a mis dans tout là. Il y a beaucoup de cas dans cela. Ce n'est pas quoi. J'aimerais bien que les gens comme vous, qui venaient toujours là pour dire que, oh, toi, vous connaissez tout, vous savez tout. Montre-nous ton visage un peu, Audrey. Tu ne veux pas. Parce que tu as ton show. Un ancien juif qui est en train d'opérer quelque part ici au 16e. Tu ne veux pas que je dise à mes compatriotes camerounais que allons-y au dans les hôpitaux. Nous, on n'a pas les moyens de faire opérer là-bas. Le social va prendre en charge. C'est les mêmes gens. Moi, voici, je me suis fait opérer. Non, j'ai ma cicatrice ici jusqu'ici. Je me suis fait piquer les piquets ici, Audrey. Tu n'avais pas vu? Je suis malade aujourd'hui là. Je ne baisse pas. Ya! Yeah! Je vous connais, vous les filles ici. Quand vous allez voir vos petites poitrines là, sont là, les vieilles poitrines qu'on a tripotées jusqu'à depuis des années, vous avez peur de passer au billard. Voulez-vous faire les poitrines? Tu viens parler quoi ici? Tu parles de quoi, Audrey? Hein? Nos parents qui sont d'Afrique partout, est-ce qu'ils se font opérer ou bien ils sont tous dans les cliniques privées parce qu'on n'a pas les moyens. Ils sont malades, ils sont dans les hôpitaux publics. Hein, ma? Voilà, je ne sais pas qui tu es. Il n'y a pas la sécurité avant. Hein? Moi, j'ai eu déjà des problèmes ici plusieurs fois. Je suis parti à une clinique privée. Je suis assis ici, non? L'argent même, tu la connais même d'abord, ce sont les petites filles qui ont la drogue, qui sont là et tout ça, qui ont leurs petits clients là, qui les baisent, on les fait les seins gratuits. Et ça passe au billard, on a déjà dit que passe par là. Viens parler ici. Moi je parle pour dire aux gens comme moi que attends, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, que ouais, là vous, tu as beaucoup maigri. J'ai dit oui, j'ai maigri. Parce que après, moi je mangeais à faim beaucoup parce que je nourris des frigos. Maintenant, je mange, bon, j'ai commencé à manger pour prendre un peu du poids parce que j'avais tellement maigri. Si vous me voyez, j'avais tellement maigri que les gens croyaient que j'étais malade. Ici, j'étais devenu. Oui, j'avais tellement maigri. Mais mes vêtements, quand je porte mes vêtements, c'est dans ce moment encore sur moi. C'est comment? Du coup, je commence à manger un peu. Oui, et là, j'ai arrêté de manger comment? Donc, voilà. Et puis, pour te faire opérer, il faut manger, que ce soit le sang, que ce soit les seins ou pas, il faut se faire opérer. Sinon, on va demander que tu paies le sang pour te faire opérer. Ça va pas ça? Pour se faire opérer, partout, il faut le sang.
Surtout les choses comme les seins, qui touchent, enfin tout ce qui touche un peu le corps humain et tout ça, c'est ça. Pour être là, c'est quoi? 4 500 euros, c'est quoi? Moi, j'ai fait ça combien? 6 500 euros. En 2003. Alors, en 2003, hein, il n'y avait pas beaucoup de Camerounaises qui ont fait des seins quand même. Hein. Ah oui. Hein. En 2003, quand même. Hein. Je me suis marié en 2003, quand même. 2003, mars 2003. Je me suis fait opérer, je crois, pour mon anniversaire. Ah oui, en novembre. Vous êtes malade, quoi. 6 500 euros. Vous parlez de quoi? Oui, c'est pour ça que hier, quand j'ai mis mon body et tout, et quand j'ai enlevé, parce que quand je mets tous mes body que je mets toujours, ça commence. Ils ont vu, il n'y a pas de problème, on ne voit pas de problème. Hein? J'ai tout obligé de faire, j'ai dit, venez toucher. Comme ça, ils ont que celui-ci est déjà mou, et l'autre aussi un peu dur. C'est comme ça, alors qu'ils ont dit, ah, et puis. Mais ils ont dit quand même qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc ils vont dire que nous les pauvres qui n'avons pas l'argent, allons-nous à l'hôpital là-bas, on va nous aider là-bas, on va faire nos seins. Oui. Moi j'ai mon bel enfant, j'ai les seins, c'est tout. Parce que tu ne peux pas voir, si bon médecin, tu ne peux pas voir qui est qui n'a pas, qui a raté, qui n'a pas raté. Même si l'autre peut tomber, l'autre aussi peut tomber, l'autre aussi peut toujours debout, mais l'autre aussi peut devenir comme le. Tu vois, Dieu. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. C'est quand tu touches. C'est tout. Ne venez pas. Mais c'est quand quelque chose ne va pas, allez-y. Moi, j'ai fait depuis 2003. Ça fait combien? Nous sommes en 2003. Nous sommes en 2004. Ça fait quand même près de 22 ans que j'ai la même poitrine, que j'ai toujours la même poitrine. Que non, j'avais fait à 6 500 euros. C'est mon mari qui m'avait fait ça en 2003. Oui. Donc, ça fait presque 22 ans. 23 ans que j'ai cette poitrine. Qui ne m'a jamais dérangé. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est sur mes grossesses. Mes deux grossesses, là que j'ai perdu. Si je n'avais pas fait mes grossesses, là, c'est que ma poitrine est toujours nyaga nyaga comme avant. Oui, c'est tout. C'est parce que j'ai l'argent. L'argent ou pas. J'ai dit que j'avais fait la poitrine. J'ai dit que je m'en vais là-bas. On fait ma poitrine à 2000, même à 1000 euros. C'est tout. Aïcha Plantin, déjà toi, oh là là, vois déjà que je ne veux pas voir dans mes trucs. Désolé, Aïcha Plantin, je te bloque. Je ne veux pas te voir. Voilà. Parce que voilà. Là, maintenant, elle dit mince, tu as l'argent. Elle dit déjà que mieux, regardez-moi à distance. Je parle ma chose aussi. Voilà. Je ne veux pas voir les gens dans mes trucs. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Je préfère avoir mes deux personnes qui me regardent, je parle avec eux tranquillement, que d'être avec les gens qui sont hypocrites. Oui. Ici, hein, ok. Vous avez ce que vous m'avez payé, même. Je vous m'avez payé. Ouh, mais ouais, je ne suis pas sûr de payer. Hein. Je ne sais pas ce que je vais payer. Ah non? Oui. Je ne sais pas ce que je vais payer, parce qu'avec moi, il faut partir, tu es naturel. Elles sont de tous les. Je dis, hein, toutes les femmes là, tu les as jamais à la clinique. Comme elle part sur la clinique, de clinique de Tunisie, ah ben ça, ça, ça. Pourquoi? Pour faire la publicité pour les gens qui ont cette clinique là. Oui. Vous avez déjà vu qui? Dans la clinique, vous dites, moi voici ici, je viens de me réveiller. Parce que ce sont les cliniques qui sont fausses. Les cliniques de Turquie, les cliniques d'Istanbul, les cliniques de ça, 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 c'est tout. Oui. Moi, le jour quand on me fait ma poitrine, je dis, moi, va se coucher ici. On a déjà fait Dieu. Vous ne montrez jamais, vous venez ça, vous parvenez les réseaux sociaux, j'ai fait la chirurgie, j'ai fait la chirurgie. Moi, je veux faire. Et moi, je vous dis, je ne vais pas vous dire, je vous dis seulement que faites vos dossiers, allez-y. Allez voir vos journalistes, vous dites que non, ça ne va pas ici. On va vous envoyer, fait comme pour moi. On va vous envoyer l'urgence, après l'urgence, on va vous envoyer pour le docteur. Le docteur va vous voir. Le docteur va vous voir. Après, vous allez discuter avec le docteur, ce qu'il faut faire. C'est le plasticien. C'est ma mère.
que la chirurgienne, c'est lui avec qui tu causes, c'est lui qui va donner les alternatives à faire. Soit on te retire les prothèses, comme ça a trop duré, comme les miens, on te retire, tu restes avec ta protéine, soit il te propose une autre alternative, tu fais un dossier pour la sécurité sociale, et puis avec son appui, c'est parce que c'est les docteurs qui donnent leur appui, pour qu'on t'aide pour faire la poitrine, c'est tout. S'ils donnent leur appui, les docteurs donnent l'appui, comme on aime les seins, vous croyez qu'ils vont dépenser combien? 50 euros. Vous l'amenez les 6 minutes. Moi, je parlais de ma vie d'avant. Je ne parle pas de maintenant. Moi, j'ai fait quand même ça. Bah, je suis ancêtre. Ça, ce sont les ancêtres de comment? Attends. Les ancêtres. Moi, je suis ancêtre. Hein. J'ai quand même fait ça en 2003. Nous sommes en 2024. Ça fait combien d'années? Presque 23 ans. Putain de bordel. Jamais un problème. Mais ça, il a duré. Il faut qu'on en ait. L'autre est à casser. L'autre est chaud debout. Mais avec les comme le sien. Il faut qu'on enlève ça. C'est tout. Parce que je n'ai pas fait le PAPA. Vous vous souvenez, il y a eu un polémique à l'époque. Oh putain. Il y avait eu les prothèses infectées. Vous savez quoi, vous vous souvenez de l'histoire là. Où c'est PAPA, où c'est PAPA. Maman, c'était chaud ici en France. Dans le monde entier. Où les prothèses étaient infectées, où les prothèses avaient. Les prothèses étaient les prothèses moins chères. Bas de gamme. Les femmes se faisaient en tout cas, combien c'est à 1000 euros, c'est à 2000, 3000 euros. Maman, ici, d'autres ont eu des maladies, d'autres ont eu des cancers. Et, bah oui, mais moi j'ai des bonnes prothèses quand même. Hein. Donc voilà, donc voilà. Pour mettre la graisse, il faut que j'ai la graisse sur moi. Je suis petite femme, hein. Je suis toute petite et puis je n'ai pas assez de graisse. La plupart de vous ne m'ont pas encore vu, donc voilà. La télévision vous manque. Hein. Si vous me voyez en vrai, hein. Je suis petite, si vous me voyez en vrai. Ah. Bah oui. La télévision que vous voyez gosse là, ça vous manque. Hein. Si vous me voyez en vrai, qui ça vous là-bas? J'ai recommencé à manger. J'ai recommencé à manger parce que. Même mes vêtements étaient étonnés ici. Mes vêtements ne me suffisaient plus. Taille 34, je suis devenu taille 34. Tu quittes de 42, 40, 38, tu descends, tu 34. Donc, tu es obligé de manger pour prendre un peu du poids. Oui, je suis menu, je suis petite. Ma taille, c'est 1m50. Je suis petite femme, hein. Je ne suis pas grande taille. Oui, c'est comme ça aussi que quand je mange aussi, mon petit ventre aussi commence encore à sortir. C'est tout. Ma vie, quand je vais mettre mes trucs, maman, ça, okay, je danse dedans, je danse dedans, oui. Donc après ça, je vais voir une diététicienne pour essayer d'équilibrer mon poids, quoi. Parce que non, dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez dans vos vies? Donc voilà, moi, j'ai besoin que si je vais dans mon pays, que je sois vraiment à l'aise. Voilà. Je remercie le bon Dieu, mon père, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même une personne forte, quand même. Ouais, parce que mon opération que j'ai eue là, une femme qui se pixel, qui fait les piquets tout seul en direct, vous faites les piquets, vous là tout seul. Vous me parlez, moi, et peureuse comme vous. Vous avez 6 000 euros, machin. J'ai fait à 6 500 euros que mon mari a payé. Oui. C'est pour ça que hier, j'ai dit, mais il faut toucher. Mais vous avez quand même une belle poitrine. J'ai dit, oui, c'est joli, mais. Sauf que l'autre, il y a. Et l'autre, il est un peu debout. Je vous ai dit que je ne suis pas là, je ne vous manque pas de choses. Nous, une commande, moi je ne parle pas de vous, vous êtes tous riches sur Facebook. Je suis pauvre. Moi, quand ça ne va pas, allez là-bas. Allez voir votre docteur, un généraliste. Après, maintenant, c'est le généraliste qui va vous faire un papier vite fait.
Vous allez aux urgences, on vous a voir comment on a fait. Et tout, et tout. Oui, ok. Le docteur qui m'a opéré là, je la connaissais. Elle m'a appelé parce qu'elle a vu mon état. C'est vous montre mon ventre. Ah. C'était devenu un jacques tellement. C'est un gros. Même le ballon est petit, vous voyez l'histoire. Hey. Après, moi, c'est mal endormi. Je suis seulement retrouvé à salle de réveil. On m'a réveillé, on m'a mis dans ma chambre. Et voilà. C'est tout. Hein? Il y a qui est venu me rendre visite là-bas. Il y a que ma fille qui est venue. Et mes deux filles qui sont venues. Ma maman est venue. Sa maman et tout. Je n'ai pas vu une personne qui s'est précipitée ici pour dire la vous voyez, vous allez en la regarder. Je n'ai vu personne. Personne. Que. Je dis. Les gens avaient les visites tous les jours. Mais moi, je n'avais pas mal de visites. Moi, j'étais moi, toujours endormi. Il y avait une fille là-bas que. Où est-ce? Franchement, donc voilà. Donc, pour vous dire que la famille est très importante. Moi, je suis que s'il y avait moi-même, s'il n'y avait pas d'enfant, que je suis qui? Je suis qui? Quand je, mon canapé, c'est mes enfants. Ma télévision, c'est mes enfants. Tout ça, c'est mes enfants. S'il n'y avait pas. Okay? Mes enfants me respectent. Mes enfants, quand ils viennent chez eux, quand elle fait peut-être un jour sans la Facebook, après, maman, on ne l'a pas vue. Elle est où? Et, ah, maman, c'était mes téléphones que je donne. Mais t'es où là? Tu... Parce que ils me suivent. Peu importe même si on m'insulte ou quoi. Elles s'en foutent. Mes enfants me regardent. Oui, maman, ça va? Oui, oui, oui. La famille est très importante. C'est très important. Oui. Moi j'ai 1m50. Ce que j'ai fait, vous êtes grand de taille, vous avez tout. Vous avez fait comme moi. Moi j'ai fait. J'ai fait. Oui. J'ai pris sur moi, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Et moi, Valérie Bonobo, que vous voyez ici, c'est mon nom, quand j'arrive à quoi? C'est que mon nom là que j'ai dit que je m'appelle Valérie Bonobo. Donc, je ne voulais pas dire mon nom. J'ai dit Valérie et non Bonobo. Tout le monde me connaît. Avant les réseaux sociaux, j'étais connu, je suis été connu. Il y a certains là que même avant, moi, on ne les connaissait pas. Même après, on ne va pas les connaître. Oui. Il y a certains là qu'on les a connus derrière. Vous savez un peu, je ne veux pas qu'on donne les loges à quelqu'un. Je ne veux pas donner les loges à mon femme. Cela n'a jamais été ma femme. Je veux dire quand même des loges, pourquoi? Parce qu'elle a fabriqué beaucoup de gens. Beaucoup. Beaucoup. Elle a élevé beaucoup de gens. Je peux citer les noms. Les mini-minons. Nivakin, lui, je ne sais pas trop. Il y a mini-minons. Il y a Dieu éternel. Le fameux avec la maison Dieu éternel. Il y a. Red Nebio, il y a Ludwig Gamba, il y a la reine galloise. La reine galloise, voilà un peu. La reine galloise. Elle a fait beaucoup de choses. Hein. Elle a élevé beaucoup de gens. Même compresseur, quand compresseur vient insulter, c'est à cause de. On appelle la femme là comment? Michel Essomba. Oui. Mais ce compresseur aussi est connu, c'est tout derrière la fabrication de qu'on appelle ça quelqu'un. Et si Lolo est connu, c'est la fabrication de compresseurs. Oui. C'est le compresseur qui fabrique Lolo. Bon. Dans tout ce monde-là, qui a alors fabriqué la Veuve Joyeuse? Je veux bien savoir. Oui. Qui a fabriqué la Veuve Joyeuse? Personne. Parce que j'étais déjà là depuis les années. Nous, on était les filles de l'heure. Avec les trésors payés, avec les. Avec tous ces filles-là, j'ai oublié leur nom. C'était nous les femmes de l'heure. Oui. Après, les injures ont commencé. Quelqu'un m'est arrivé.
les injures ont commencé, tout a chamboulé. Nous, on était à Facebook. À l'époque, on faisait des petites vidéos, on a envoyé, on n'avait même pas de vues. On dansait, on faisait ceci, c'était... À quand ça arrivait, c'était horrible. Moi, je ne savais même pas insulter. Quand les gens disent que tous ces filles-là, c'est quelqu'un qui les a pas moi. Personne ne m'a fabriqué. C'était la danseuse de Meta, de Facebook. Eux, tous là, ont eu des pages avant moi. Elles ont été monétisées avant moi. Donc, quand vous parlez souvent aux choses, il faut bien souvent parler des choses ici. À Meta. Je ne suis pas allé être star à Lille. Je suis star à Paris depuis des années. Valérie Bruno est comme. Oui. Ah oui. C'est aujourd'hui. Les autres sortent de la cambousse. Pour venir dire que. Déjà, quand on dit fleur de litre, c'est aussi impertinent avec comme c'est qu'elle. Elle dit que fleur de litre, elle n'a jamais été fleur de Paris. Fleur de litre, ça veut dire qu'elle valorise l'île. Parce que c'est là-bas où elle a tout eu. Allez. Mais elle se déplace quand même pour venir à Paris. Tu me souviens à l'époque, maman, Ngosa, avec un cœur. Ngosa, la seule personne que j'ai croisée, c'est Lolo. Ah, faut que je me souviens, elle sortait de la Suisse et elle était accompagnée de Fonda. Elle m'a dit que ouais, alors j'ai appris que quand les filles arrivent ici, c'est toi qui les places. Est-ce que j'ai refusé? Oui. Oui. Elle était encore belle, toute mince et tout ça. Je n'ai jamais croisé un compresseur au football, ni un quinquam. C'est à Facebook aussi que j'ai vu tout ça. Mais par contre, je vous dis une chose. Mais par contre, Amec, ça fait quoi? Mais Amec, chez nous, si il va chez nous, c'est normal. C'est Amec, j'ai quand même été invité. Avec Oshiga chez nous. Si tu aimes dire qu'Amé Kamé chez nous, tu peux dire quoi? Ben c'est normal. Mais Amé, tout le monde, on tourne en rond, nous tous. Aujourd'hui, je suis avec telle personne. Demain, je suis avec d'autres personnes. Demain, je suis avec d'autres personnes. C'est tout. Pourquoi il n'y a que moi, ce qu'on voit que. Moi, non, je veux faire des tours. Je veux que tourner partout. Il ne tourne pas pour qui? Ben oui. On n'a que tourner, nous tous. Que Amé Kamé, et alors? Oshiga arrivé ici en Ghana. J'ai chassé Oshiga. C'est elle-même qui m'a encore monétisé la page aussi. C'est ma fille. Je n'ai pas su que c'était elle quand j'ai arrivé. Tu vois une fille qui est là. Je dis qui c'est qui ici. Mais elle a entré. Elle a payé sa bière, 10 euros. Elle a payé sa nourriture, 20, 30 euros. Elle m'a donné 50 euros. Et je lui ai annoncé 20 euros. Et il y a quoi? Pourquoi il faut toujours que. Quand on ne s'entend pas avec certaines personnes, qui allait à Monaco, vous faites quoi à Monaco? Tout ce que j'ai vu, c'est à Monaco que j'ai trouvé ça. Mais bien sûr, on va aller à Monaco, mais je vais aller à Monaco avec les beaux seins. Je ne veux pas aller à Monaco avec les seins comme ça. Pour que ça soit joli. Attends. En tout cas, moi, je parle de mes choses. Dans la vie. Et moi, on nous sort des tourbillons ici. Mais voilà, nous sommes tous des tourbillons. Je dis que j'avais telle personne. Ah, bon. Je ne vois, il y a combien de personnes là? Je ne vois même plus les gens qui sont là. Je vois seulement trois personnes. C'est normal ça. Il y a combien qui sont là? Attends, je vais un peu ici. Je ne vois pas. Je parle avec trois personnes depuis là. Yeah. Attendez, ça que moi avec mes choses aussi.
Il y a combien de personnes? Après, je ne vois personne. Je vais voir un peu. Après, j'ai quitté ça. Ah oui, 67 personnes, c'est beaucoup alors, c'est beaucoup. Voilà. Je veux quand c'est 67 personnes. Parce que 67 personnes, moi, je parle de ma part. Oui, moi, je n'aime pas tout quand. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends. Moi je parle mes choses ici. Voilà, je peux partager ici, ici. Parce que vous ne partagez même pas mes vidéos, c'est pour ça. Vous aimez seulement que je vais commencer à insulter. Pour vous dire une chose. Mais voilà, écoutez-moi très bien. D'abord, Joyeuse. Je ne cherche. C'est-à-dire que je suis connu. Je n'ai pas besoin de que ma chaîne fait ceci. Je suis connu. Oui. Où je suis, j'ai décidé que très rare les gens qui vont me voir dans les soirées. Parce que je sais que. Quand je vais décider que je m'en vais dans une soirée, oh, je sais que les gens m'aiment. Parce que quand il y avait quelque part, ça va vous mentir, les gens rigolent. Tu vois comment les gens me regardent. Tu vois comment les gens me regardent. Je vous dis une chose. La soirée d'Ankanka, vous savez combien j'ai eu l'argent là-bas. Je suis rentré ici avec 1000, presque 2000 euros. Quand je me déplace dans la salle, mon petit sac que j'avais là, que vous voyez, l'argent est dedans. On me donne l'argent là-bas. Partout, où j'allais, partout. Les gens étaient déplacés. Ouais. Il y a une femme de 254 euros. Tu sais que tu t'appelles comment? Elle m'a dit quoi? Je veux pas, j'ai pas dit mon nom. Sache que je t'aime beaucoup. Demande les gens qui étaient avec moi. Et Namungo avait l'argent. Avec l'argent. Mais on a volé l'argent de Namungo. Je ne mange pas ce soir. Tu ouvres la vie ou tu peux. Elle dit que je trouve la nourriture, je ne mange plus. J'ai déjà mangé. Mais j'ai mangé bien. J'ai mangé des tartares. Tu es allé au restaurant, tu as vu? Non, ce soir, je ne mange pas. Ils ont fait un cheveu là. Ce soir, je serai en direct. Je vais faire un petit direct, c'est à mon autre compte. Mais là, j'ai eu l'argent. Oui. Quand tu attends l'accord, tu dis que, oh, maman, même quand tu es à Lille. Mais ouais, je vous dis la vérité, mais ouais, j'ai eu l'argent là-bas à Lille. Moi, de l'argent. C'est là, je disais, quand tu as donné. Est-ce qu'une star demande l'argent? Si elle demande, c'est pas que j'ai besoin. Je te soublie que toi, moi. Non. On demande. Moi, je ne demande pas. Non. Les gens venaient. Il y a Magne 5 étoiles. Magne 5 étoiles de la BG là. Elle m'a donné. Elle a de l'argent. Elle a 150 euros en amour. Magne 5 étoiles. J'ai pris. Heureusement que j'ai pris. J'ai gardé. Je suis rentré ici, maman. Okay. J'ai même l'argent dans le. Comme j'avais le soutien de. Les gens. Partout. Quand vous voyez la télévision là. Et de la de l'argent. Tout le monde. J'ai dit que. Oui. C'est comme ça partout quand je dis que je parle quelque part. Les gens me donnent l'argent. Oui, ma femme me vient. Je dis que. Parce que quoi? Parce qu'ils aiment ma petite personnalité, ils aiment comment je suis, et puis comment je suis joyeuse, et tout. Et moi, je suis quelqu'un d'accessible. Je suis accessible à ce point que les gens m'embrassent. Oh, oh, je te veux. Hey, yeah, but I, Lolo, est-ce que toi tu peux y aller un jour que les gens sont venus te donner quelque chose? Les gens te donnent. Mais tu es la seule blogueuse. Ça faut mentir. Lolo est la seule blogueuse qui est. Déjà, Lolo est froide. Lolo ne vit pas avec les gens. Elle est comme ça. Lolo boit son verre.
elle parle avec ses lomaniens. Ne s'occupe pas des gens autour. Oui. Partout où nous sommes partis, partout où nous sommes, et puisque c'est qu'elle et moi, on a les mêmes amis, partout où nous sommes tous partis. Notre veuve, il n'y a que moi, aucun camp, il n'y a que les deux, aucun camp. Pour compréhension, je n'ai jamais été dans une soirée avec elle, je n'ai jamais été nulle part avec elle. Je vous dis que je n'ai jamais été dans une soirée avec ma BS. Son nouveau nom, c'est la BS. Je vais danser pour ma BS tout à l'heure. Je n'ai jamais été. Elle et moi, en gros, la bagarre, et quelque temps, on s'est encore vu après la bagarre parce que les vidéos et tout. Et cette personne que j'ai écoutée, c'est quelqu'un. Quelqu'un, elle a le rouge. La chimamelu. Quelqu'un demande que. Hein, tu viens nous offrir des champagnes ici. L'argent, là, je peux nous donner ça. Quelqu'un, ouais, ma cour, laisse-moi ça, mon truc. On est allé, il y a une fille qui arrive. Elle dit qu'elle est venue pour voir vos joueurs, c'est quelqu'un. Ouais. Elle la fille nous a offert, c'est combien de champagne? On dit, ouais. Elle connaît le pays, les champagnes, 50-53. Elle ne peut pas me dépanner un peu. Parce que, ouais, il faut d'abord laisser. Même là-bas, on prononce que non, le veuve joyeuse et fleur de l'île. Personne ne prononce le nom. C'est comme ça que je me suis levé pour aller voir la dame. Parce que c'était une fille qui faisait le DJ. Et tu vois, prononce le nom de pardon. C'est ma faute si les gens me donnent. Moi, je sais. Quand il veut choisir que je choisis, il y a la choisie de Christelle Couture. Ça se passe partout. Allez chez Christelle Couture, tapez le nom de Christelle Couture. Si je suis. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je serai là-bas parce que vous connaissez mes histoires-ci. Vous allez voir. Je vais aller là-bas. Je vais là-bas. Très joli. Les gens sont d'abord contents de me voir. Parce que quand tu me vois quelque part, hein, oh, c'est la joie. Parce que moi, je ne suis pas dans vos choses. Hein. Dès que j'entends ce moment la musique, moi, je commence à danser, moi. Je ne suis pas dans vos choses-là. Moi, j'aime tout que les gens m'adorent. Et je peux le dire, les gens m'aiment beaucoup. Malgré toutes les phrases que je fais dans les réseaux sociaux, sans vous mentir, les gens, moi, je serai jamais. Et je peux vous dire que, sans vous mentir, que nous tous, on a des donatrices. Nous tous. Quand je sors pas quelque part, on est rentré ici avec les dos. Et Namango avait sa part, on a voulu la. Ils ont même voulu l'argent de Namango dans le sac. Heureusement que j'ai pris la plupart. Je l'ai laissé où c'est 60 euros. Les 60 euros, on a volé les 60 euros de Namango. On est rentré ici. Maman. Quand je. Maman, mon petit sac que j'avais le jour là, que j'ai filmé les gens là. Quand je venais ici, je suis allé à la chambre. Merde. Il y avait quelqu'un qui m'a donné 500 euros. Mais je ne peux pas vous dire qui. Et le but des 500 euros là, je crois que c'est un faux. Oui. Parce qu'il y avait tellement de gens qui me donnaient l'argent. Et je prenais, je mettais comme c'est moi qui filmais. Ce que moi j'ai filmé. J'ai filmé. Parce qu'au début, c'est quand ça chicot qui filmait. On est d'accord? Et j'ai dit que ah, moi j'attends quand les choses, les autorités vont arriver après, mais je vais filmer. Oui. Je ne manque pas. J'ai dit que marche avec les gens. Parce que moi, quand je me déplace quelque part, j'ai dit que les wars qui sont là-bas comme ça. Ben oui, il était tout seul. En tout cas, et voilà, moi j'ai décidé que, bon, si tu m'as, avec mes deux, moi je les appelle les Mojang. Elles sont les Yamsa, mais moi je les appelle les Mojang. Toujours en guerre avec elles, mais parce que je veux me calmer avec les deux là, sans commenter, quand je veux voir que Lolo a pris sa destinée en main. Oui, qu'elle n'est plus trop dans le racolage de machin, tout là. Oui, c'est là que je vais regarder comme ça. J'attends. Vous savez que je ne suis pas bête, hein? Mais voilà aussi. Maman, je me suis réveillé là, je suis tellement en forme que je ne sais même pas. Je ne suis pas très bête. Faites attention. Ayamsa a dit quoi? J'ai vu, elle a dit. N'est-ce pas, j'ai les signes.
Les 6 juillet, j'ai les trucs de Meet and Greet là. Vous ne faites pas la publicité. Le là, c'est la publicité de Meet and Greet. Il faut faire la publicité. Hein. Parce que quand on fait la publicité, là, elle met que Orange Money. Elle ne fait pas la publicité de ta télévision. Hein. Regardez ça, elle est entière. On ne travaille pas, on n'a même pas prononcé ton nom là-bas, alors que c'est grâce à toi que quelqu'un, Lolo, une commande, et toi, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait que ces AMC là, les deux là, parce que quand on dit comment elle ne connaît pas la troisième personne ou la quatrième personne, elle connaît seulement vous deux. C'est grâce à René Stadelli. Si René Stadelli n'allait pas perdre son père, est-ce que vous serez parti là-bas? Est-ce que vous serez aujourd'hui des Yamsa? Non. Que serait-il la guerre? Vous n'avez pas pensé, ma René Stadelli. Une commande ne me connaît pas comme d'habitude. Je m'en fous. Pourquoi vous m'apportez rien? Nous sommes commandés à Facebook. Mais pas comme vous. Le chef fait ton direct. Tu veux quand même dire, vous pouvez quand même remercier René Stadelli parce que c'est le dernier de René Stadelli qui nous réunit, nous tous. Qui nous réunit. Oui. Oui. Quand elle entre, elle vient. Tu es assis, je suis assis ici. Elle ne te salue pas. Elle me salue, je refuse. Elle parle. Elle dit, oui, c'est à cause de Ngada. Là, j'ai dit que c'est Ngada. Tu n'es pas venu dans mon Ngada. C'est pour ça. Après, elle est partie. On a la même voiture, on court dans tout là. Après, quand on entre, moi j'ai mon agent là-bas qui m'a seulement avec ma communauté de Waros qui est là avec moi. Avec moi, c'est tué comme ça. Il dit que non, viens alors t'assois avec moi. Assois-toi ici, là-bas, derrière. Je m'assois devant. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Quelqu'un me fait assis là avec mélanger avec les Waros là-bas. Elle faisait tout, elle nous regardait. Et moi, j'ai fait. On a choqué quelqu'un comme juste. Il dit ouais. Il dit non. Pourquoi tu dois te lever pour la saluer? Elle est là. Elle va faire tout. Elle va venir nous saluer ici. Pas moi, toi. Pas danser là-bas. Tu danses là-bas. Tu ne danses pas avec elle. Nous ne pas être dansant avec elle. Je la récuse et simple. Tu vas voir comment te faire. Elle pas être dansée. Elle va s'asseoir. Elle allume sa caméra. On dit ouais, Lolo, mais les gens, les gens, oui. On a commencé à m'insulter là-bas chez les Lomania. Oui, la vous faites comme ça, la vous faites comme ça. Après maintenant, quelqu'un m'a dit que non, l'histoire, c'est mieux vaut qu'elle fasse un coup. Que comme ça, elle va prendre les flyers, elle vient poser vers nous, une façon de venir. Et que, en tout cas, mes soeurs, je suis avec vous. Ouais, faites la publicité de ma soirée. C'est comme ça que j'ai à bon, Lolo, levons-nous alors maintenant. Allons vers elle. Elle est venue vers nous, ce que je voulais. Oui, parce qu'il fallait qu'elle fasse ça. C'est comme ça que nous appelle Lolo. Lolo, elle dans ce structure devant nous. Là, comme pas alors. Voilà comme ça, comment les Ayamsan naissent. C'était beau à voir. Très beau à voir. C'est tout. C'était beau à voir. On a fait les photos, on a dansé, on était ensemble et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, c'est tout. Et à quoi? Pour elle est trop enfantin, quoi. Elle ne connaît pas les bases de la vie. Parce que si elle le connaissait, je pense que si elle le connaissait vraiment, les vraies bases. De la vie, comment réussir, comment faire sa vie, comment faire quelque chose. Je pense que Lolo allait peut-être faire avec sa taille, avec sa taille, avec ses gros seins et tout. Elle devait être quelqu'un de très important. Ouais. Parce que elle était à Malabo là-bas avec ses copines et tout. Toutes les copines ont réussi. Ils ont eu les Josephine Bayan. En tout cas, Josephine Bayan est venue ici au début. Elle était toujours avec Lolo. Lolo portait son sac et tout. Hein. Quand je fais bien à ce moment, avec les millions que j'ai là, je veux marcher avec une qui n'a rien là, qui est un peu. Elle se retrouvait chez quelqu'un comme si aujourd'hui, les Edouard Bala, pareil, et tous ces filles-là. Chaque fois que le loup est quelque part, il a quelque chose. Quelqu'un doit récupérer la chose là. Oui. Et c'est pour ça que je la reproche que non. Fais attention. Ben oui, tout ce que tu as, ta soeur va prendre ça. C'est tout.
Bah oui. Si je ne décidais pas que Loulou, même comme on est venu là, vers nous là, avant, vers toi, que ne te lève pas là, allons pas, on la rejette. Vous serez ensemble aujourd'hui, c'est grâce à moi, parce que moi j'ai un caractère de fou. C'est grâce à moi, je ne comprends pas. Oui, renseignez-vous bien qui je suis. Mais oui, parce que comme adore les femmes qu'elles peuvent manipuler, qu'elles peuvent mettre en bas. Et je vous demande maintenant que votre soirée que vous avez fait là, c'est qui a organisé tout ça? C'est René Star de Lille. C'est elle que son père est mort. C'est là que tous les stars Mbrakata avant. Mbrakata sont retrouvés. Hein? Si son père n'allait pas mourir, est-ce que jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore en vrai? Qui a dit merci à René Star de Lille? Personne. Personne. Et quand j'ai voulu faire comprendre que fais attention. Oh, hey, machin, ceci. Oui. M'insulter jusqu'à comment qu'on laisse insulter là. Oh, j'ai commandé l'argent, j'avais pas acheté le train, j'avais pas ceci, je suis pour fort. Eh bien, c'est tout. Même le métier est étonné quand j'ai monté l'argent, l'argent que j'ai. Elle me manque ta carte bien, ne marche pas. Et que tu les espèces. Moi, je suis une femme qui a tué les espèces, tout le monde le sait. Il faut, moi, je pense à René. C'est grâce à René Star de Lille qu'il y a eu cette réconciliation. Oui. Oui. Personne n'a pensé à elle, vous deux là. Elle peut penser à René Star de Lille. Une comme moi, je suis là devant vous. C'est grâce à René Star de Lille qui a voulu la paix, qui voulait la paix. Oui. Et la paix s'est faite entre vous deux. Qui de vous a pensé à elle? Personne. Mais elle est là, les Mayam sœurs. Oh, sa page est devenue que. Elle est devenue que. Parce qu'elle ne parle que de vous. Vous parlez d'elle. Voilà les petites choses que moi. Voilà les petites choses que moi, je n'aime pas. C'est tout. Ben oui. Donc, c'est entre vous là-bas. Les deux Ayam Sœurs et moi, ce sont mes collègues. Mais il y a des choses qu'on va éclaircir. Le brouillard va s'éclaircir. Nous sommes encore dans le brouillard, nous tous là. Le brouillard va s'éclaircir bientôt là. C'est moi qui vous dis. Il y a un grand brouillard à Facebook. Vous ne connaissez même pas le brouillard. Là, on a encore là, tu ouvres là, le brouillard. Là. Le brouillard là, va s'éclaircir. C'est moi qui vous dis. Oui. Dans la vie, il faut s'entraider. Ce n'est pas que tu es devenu soi-disant quelqu'un que événementiel. Quand des collègues ont dit qu'en face, il n'y a rien. Il y a rien. Ah, okay. Moi, mon père ici, Enamangwe a été insulté. Parce que je suis parti avec elle à la soirée. Moi, on a dit que je me suis même fait opérer. Je suis quand même venu. Mais pour venir seulement ici, le jour de 8 mars, tu n'es pas venu ici. C'est ça. Et ce n'est que ça que tout le monde a le problème. Pourquoi tu n'es pas venu ici? Pourquoi? La même chose, Gani m'a fait ça. Bon, alors là, en tout cas, moi j'ai aimé. Vous savez, moi j'ai aimé ta réponse à ça, Bulldog, les réseaux sociaux. Le qui fait exprès dit, attends, pas dit que penses-tu des femmes qui insultent les enfants des réseaux sociaux? Alors là, chapeau. Tu as dit, tu as répondu quoi? Non, les femmes qui insultent les... Je ne peux pas répondre à ça, parce que c'est un truc qui est déjà insulté depuis. Quelle est cette réponse que tu parles là, Parmesan? Donc c'est maintenant que tu vas répondre à ça. Elle t'a bien répondu que non, on n'a rien dit, elle ne répond pas à ça. Elle a fait une réponse vraiment minimisante à ton propos. Maman que j'ai souvent dit, voilà. Pour ça, c'était chapeau. Et puis dans toute cette vidéo-là même, tu as été vraiment éloquente. Vraiment, tu reprenais, sauf que tu as quand même menti ton histoire de famille, d'histoire que j'étais jeune, j'étais pas cher, ça. C'était un peu tordu.
Ton nom, tu étais préparé pour les bonnes questions. Et tu as répondu bien. Tu étais posé, tu savais ce que tu es parti faire là-bas. Mais malheureusement, notre qu'on appelle le nom de elle a un peu fait, elle a fuck off en tout. C'était partisan du village. Voilà. Voilà. Et j'ai encore aimé quand elle a dit, mais tu as insulté aussi ma mère. Tu n'as jamais insulté ta mère. Tu as dit que tu vas violer ma mère. Que ma... Il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo-là et tout ça. J'ai dit, tu as oublié, Loulou. Tout le monde sait à Facebook que c'est moi qui ai insulté ma mère, alors que non. Ngossa a insulté ma mère. Le tout, c'était grave. Avant, Ngossa, c'était un peu grave. Mais le temps, toi, tu prends, quand tu as pris ma mère, tu as oublié. C'est vous qui commencez à insulter les mamans des gens. Et moi, je commence aussi à insulter vos mamans. Mais comme les gens à Facebook ne connaissent pas l'histoire, c'est ça. Ngossa a insulté ma mère depuis des années. D'où elle est venue à l'époque jusqu'aujourd'hui. Toi, tu es de ma mère. Quand nous sommes partis, je veux mettre les photos. Les photos où on était à la première sortie de Lady Ponce. Où c'est Olympia, où c'est pas Olympia, où c'est où. Et il y avait tous les stars là-bas. On était ensemble. Là où les photos, là où tout le monde, on rigolait et tout ça. Après, on a fait beaucoup de soirées ensemble. Et donc, moi, je m'avais mangé chez Céline la doyenne. Viens avec moi. Tu dis que non, toi, tu suis comment on appelle, c'est comme ça que pas avec que dans une soirée, et boivent dans un bar là-bas. Après, elle se retrouve devant la maison de Bernard Moncam. Elle commence à faire spectacle. C'était le spectacle là-bas. Descends, je vais te tuer ici, Fleur de Lys. Ou Fleur de Lys avait fait quoi? Je ne sais pas. J'étais ici. On était ensemble ce jour-là. Il y a les photos. Je voulais mettre les photos. Parce que moi, j'ai tué mes remembers. Oui. C'est comme ça, donc. Je suis, si j'appelle le coup, elle me laisse. Fleur t'a fait quoi? On était là soir. Elles étaient dans les. Fleur de Lys avait une robe, c'est jaune ou vert, ou non, ou bleu, velours. Nous, on était dans les chemins avec les mini-minors, l'histoire que vous entendez ici. C'était que la première fois que Lady Ponce est chantée, c'est la femme. Viens avec moi, on va manger après, on va à la maison. Elle avait tenu la haine. Simon de Londres. Elle était battue avec Simon de Londres. Je suis ici. Je vais me reposer comme ça. J'attends seulement que. Bon. Lolo, j'appelle le pardon. Lolo est parti. Oui, Lolo est parti. Maman, appelle la police. Oh, mon frère. Lolo est parti agresser Fleur de Lys chez on appelle le gars là comment? Bertrand de Londres. Qu'on appelle ça? Le gars Bambique là. Le boxeur, on appelle le comment là? Ouais, je suis assis. Allez, maman, c'était chaud. Bernard Moncam. Ça dit que Bernard Moncam a perdu sa maison. Il m'a dit qu'elle est tombée comme ça. Quoi? Que la communauté bamiléka a dit quoi? Je m'en fous de la communauté bamiléka que j'ai que. Que moi, dans la cage d'avion. Et alors, c'est seulement moi qui dis ça. Hein. Et des autres là, disent quoi? Quand vous prenez que pour moi, je m'en fous. Que la communauté va me dans ma poche, je ne sais pas quoi. Les bambins qui m'adorent, et eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Hein, bon? Donc, il y a comme des propos qui sont très importants. Regarde, je porte la force de l'expérience. Et toi, aujourd'hui. Moi, tu viens de quoi? Que les bambiques sont les êtres humains comme moi. On m'approche par rapport à quoi? Le crash, hein? Je parle, je dis les propos comme aussi m'insultent. Moi, je parle quand le subbaptême là qu'on appelle les abeilles,
les Lumania font leur, quand ils m'insultent dans leur petite page, là, leur petite page militaire, la con, là, et tout. Les propos qu'elles disent sur moi là-bas, c'est normal ça? Parce que c'est moi. Je parle. Elles vont mourir dans les crèches. D'avion, c'est tout. En train de les commander. Les Bamékans ont dit quoi? Bah, allez, bon, putain. Laisse les Bamékans tranquilles. J'ai mis ma fille, ma petite fille Bamékan, Bafan. C'est tout. Et le marin va se faire bientôt. Je ne vous invite pas. Je vais aller chez dans mon camp. Je suis toxique, même pas pour la communauté Ekam. Eric et Henri ont gagné. Mais déjà la communauté Ekam. Je l'ai fait quand même pas. Je ne sais même pas la communauté Ekam. Tu m'as vu avec un jour. Je suis toxique pour la communauté Ekam. Ce sont des cancers qui. Ce sont les êtres humains, ce sont les Camerounais comme tout le monde. Que je suis toxique pour tout le monde. Parce que je ne vois pas la vie. Je ne vois pas le monde comme vous. Vous êtes les subbaptêmes, les petits gens, les ça, ça, ça. C'est tout. Vous êtes les petits suiveurs, c'est tout. Moi, je suis pas une suiveuse. Je suis une meneuse de tout. Je suis une meneuse. Une meneuse ne peut pas se mettre à être subbaptême. Il y a meneuse, meneuse et meneuse. Que quoi? Que on dit que quoi? Mais c'est vous qui venez chez moi. Tu sais pas qu'il y a ta soeur qui est partie payer le terrain chez un Bassa là-bas. À Jipanda. Bassa à tout prix. Je suis toxique pour qui? Mais je suis toxique pour moi-même. Et vous voyez, tu vois, il y a vu dans la communauté des écrans. Si quand ils font leurs choses des écrans, tu sais, je m'en vais avec eux. Oui. Moi, je suis à distance. Mais je suis une personne que quand ça va commencer ici à Facebook, quand ça va commencer, qu'on va voter, qu'on va faire ceci, c'est là que vous avez mon visage. Je vais défendre mon président, Frambia, Beke Ongo. Ah oui, il y a la guerre. Avec moi, tu es ce que tu es un partenaire. Eh oui, parce que je sais me défendre, je sais me battre. Même avec les mains, je me bats. Avec ma tête, je me bats. Avec tout, je me bats. Vous voyez, mais non. Que les Bamékans ont dit, j'ai quoi avec les Bamékans? Je suis dangereuse même pour la communauté Ekam. Que je suis une boule, je suis une Ekam. Oui. Tu m'as déjà vu dans leur. Comment on appelle ça là, dans leur communauté là. Tu m'as déjà vu avec là-bas. Ils savent que j'existe. Ils savent qui je suis. Ils me prennent avec les pincettes. Ah oui. Mais quand que je sors, je suis là. La première qui me dit, je suis Ekam. Le tissu est capable, c'est qui? Vous voyez? Avec le chapeau et tout ça. Oui. Je suis parti chez les Bamékans. Vers vous. Il y a eu un truc. On m'a invité. Je me suis habillé. Mon tissu est capable. Mon chapeau est capable. Je suis parti. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont très bien accueilli. Pourquoi? Je suis avec vous, je me mélange avec vous. Donc, je suis en danger. J'attends des élections. Vous allez voir comment je vais défendre mon président Frambia. Il me donne rien, je ne suis rien. Mais je défends. Pardon, Erika. Que tu as aujourd'hui, demain, tu vois. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Pardon. J'ai dit quoi aujourd'hui? J'ai été avec RDPC. Quand tu me parles, regarde-moi très bien. Je porte quoi? Je porte la force de l'expérience. Ça veut dire que je ne peux pas changer. Je suis la force de l'expérience depuis. Tu ne vois pas que là où tu veux. Qui est là? Poubia. Le papa de qui? Frambia. Après lui, c'est lui. C'est tout. Je m'en fous que vous avez dit, tu veux me dire quoi là? Ouais, je n'ai plus de batterie. Ouais, je n'ai plus de batterie tout à l'heure. Dans deux minutes.